Le géant de l'hôtellerie japonaise 2 étoiles Toyoko Inn a décidé d'installer sa première enseigne européenne à Marseille. Qu'en est-il de la tour Bel Horizon tout proche? Elle attend depuis 30 ans un plan de rénovation. Ce quartier au cœur du projet Euro-Méditerranée est en plein changement. Et Bel Horizon, ne mériterait-il pas de devenir un hôtel 4 étoiles? Avec son bel emplacement à deux pas de la gare et sa vue imprenable sur la rade de Marseille, c'est le pari fou qui vient de faire un investisseur étranger. Il s'appellera Bel Horizon Hôtel Incontinental. Les travaux commenceront à l'automne. L'adjoint au maire et le chef d'entreprise ont signé ce matin les accords dans le hall de l'immeuble. Les images. Je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui pour célébrer le renouveau de Bel Horizon. Ouais. Sa nouvelle vie. Ce bâtiment qui a été le symbole même du délabrement et du laisser-aller s'apprête à vivre une transformation inédite, à devenir un hôtel de luxe. Quel succès pour la tour et le quartier! Mes félicitations à vous, les habitants, pour cette belle opportunité. Je laisse la parole à monsieur l'entrepreneur, monsieur Lucien. Merci monsieur le maire, merci bien. Eh bien, en ce qui me concerne, de mon côté, il ne me reste plus qu'à m'engager ici et maintenant. Devant vous, et vous faire la promesse que les premiers d'entre vous qui auront compris l'importance historique du projet, ceux qui auront choisi de partir rapidement, eh bien seront relogés dans une tour à proximité. Bien, merci. Eh bien, merci, monsieur Luciani. T'as entendu la nouvelle? Quoi, la nouvelle qu'on a tous été mis dehors? A ton avis, on va faire quoi? Une suite géante à chaque étage? Ouais, j'imagine ma chambre va devenir des chocs plaqués or. Ha ha ha! J'en ai marre de cet ascenseur. Ah, rien n'en marre de cet immeuble. T'inquiète, ça va être encore plus pire quand ils vont le mettre dans les quartiers nord. Les mécaniciens ne se déplacent même plus. Mais je pense pas que ça serait mieux là-bas. Ils vont nous donner un bâtiment tout neuf. Mais tu crois toujours à cette histoire? Ils vont nous mettre dans des taudis pires qu'ici. Ils vont se mettre plein les poches. Moi, je pense que changer nous fera du bien. Surtout changer de voisin, pire qu'ici, c'est difficile. Justement, ici c'est chez moi et je partirai pas. D'abord. Cher associé, tenez, je vous en prie, ce sont les meilleurs. Bien, nous sommes tous présents, nous allons pouvoir procéder à la signature. Messieurs, dames, ce fut un plaisir. À très bientôt. Thank you.
Thank you.